La réserve opérationnelle de gendarmerie est constituée de 2/3 de volontaires issus de la société civile et d'un tiers d'anciens militaires d'active. Cette réserve représente 45% des effectifs de la réserve militaire en France, toutes armes et services confondus. Après l'attentat de Nice, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a invité les Français à rejoindre la réserve opérationnelle. Emmanuel Berthier, préfet de la Moselle. Vous savez que dans le cadre des mesures décidées par le gouvernement pour renforcer les effectifs des forces de sécurité intérieure, il y a appel supplémentaire à la réserve opérationnelle, à la fois dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale. Et puisque vous vous intéressez spécifiquement à la réserve de la gendarmerie nationale, nous avons un vivier de plusieurs centaines de personnes dans le département, dans lequel le commandant de groupement peut puiser pour ajouter aux forces classiques de la gendarmerie nationale plusieurs dizaines, quelquefois 40 ou 50 hommes ou femmes chaque jour. Nous avons besoin d'une mobilisation totale, globale, à la fois des forces de sécurité intérieure, des armées via le dispositif Sentinelle que vous connaissez bien, et maintenant un appel supplémentaire à la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle prévoit d'augmenter le niveau opérationnel de gendarmerie sur le territoire français de 10 000 hommes, permettant la présence estivale de près de 30 000 gendarmes par jour. Pour atteindre ce levier, le vote de la prolongation de l'état d'urgence en France a permis d'étendre l'âge de recrutement de 30 à 40 ans désormais. L'état d'urgence abroge par ailleurs la limite initiale de 30 jours de service minimum par an pour un réserviste. Présentation de ces gendarmes de réserve par la capitaine Villemot, officier de communication pour la région Grand Est de la France. Ce sont des personnes entre 18 et 40 ans qui ont fait une préparation militaire gendarmerie et qui sont donc entrés dans la réserve et qui travaillent au quotidien auprès des gendarmes d'active. Il faut avoir entre 18 et 40 ans, donc la limite d'âge a été reculée de 10 ans la semaine dernière, c'était 30 ans jusque la semaine passée, maintenant c'est jusque 40 ans. Il faut avoir satisfait au service militaire pour les plus anciens ou sinon au JAPD, au JDC. Et donc, il faut entrer dans une préparation militaire gendarmerie. Il faut donc bien sûr aussi avoir une aptitude physique reconnue par un certificat médical militaire et une bonne moralité. Cette prémisse, ça dure 15 jours pleins. Donc, soit 3 semaines à 5 jours. Nous, c'est sous ce format que c'est en train de se réaliser à Étain depuis le 11 juillet jusqu'au 29 juillet. Ou ça peut être 2 semaines complètes, compris les week-ends. C'est hommes et femmes, je vous dis, toujours dans la même tranche d'âge. Et si on a satisfait à la moralité et aux conditions d'aptitude physique et qu'on a réussi les tests, hein, parce qu'il y a des tests psychotechniques, eh ben, on peut entrer dans la préparation militaire. Ces inscriptions se font directement sur Internet. Comment ça se passe? On peut se présenter à la brigade la plus proche. Et sinon, vous avez aussi sur la gendarmerie recrute toutes les informations requises pour faire votre dossier. Les réservistes, c'est une source importante pour nous d'effectifs et de renforts pour satisfaire à toutes les missions qu'ont à remplir les gendarmes. Et donc, en fonction des disponibilités des réservistes, dont ils ont fait état auprès de du groupement de gendarmerie de leur département, on va les solliciter pour un renfort en brigade, pour la sécurisation d'une manifestation, pour une mission de sécurité routière, et en fonction de leur disponibilité, y répondre favorablement ou non. Ils travaillent sous le couvert de l'officier de police judiciaire de l'unité qui les renforce. Ça présente beaucoup de personnes, ces réservistes. Si on regarde au niveau national, on est à près de 25 000 réservistes en France. Et au niveau de la région Lorraine, on est à près d'un millier de réservistes. L'objectif au niveau national, c'est d'atteindre 40 000 réservistes d'ici à 2018. Donc le recrutement est important. Hein. Des hommes et des femmes déjà sur le terrain. Ils étaient 3 renforts à la gendarmerie de Mézières-lès-Metz autour du major Baudevin. On retrouve dans l'ordre Cédric,
Philippe et Jérémy. C'est au cours de mes études que j'ai découvert que la réserve opérationnelle de gendarmerie existait et ça m'a permis de découvrir ce monde de l'intérieur et de diversifier mes activités et de découvrir un monde totalement coupé du civil et en même temps de découvrir la gendarmerie mais en même temps de rester dans le civil. Je fête mon 3e anniversaire. Je suis étudiant juste à côté et lorsque j'ai des disponibilités ou lorsqu'il y a des besoins en gendarmerie, selon la compatibilité entre les deux, je suis en gendarmerie. À côté de ça, je suis étudiant. La formation a été modifiée cette année. Lors de mes classes, ça durait 3 semaines lors de l'été, le mois de juillet, où on apprend le maniement d'armes, on apprend la législation, on apprend le secourisme, et l'histoire de la gendarmerie, l'histoire du pays, et tout ce qui a trait au métier de gendarme. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et puis les gendarmes permanents, dirons-nous ? Bah non, on a l'avantage de rentrer chez nous le soir et d'être au chaud et d'avoir quand même une vie un peu plus libre à côté. On peut être étudiant, on peut être salarié, on peut être retraité, on peut être femme au foyer, bon pas pour moi, mais alors qu'eux c'est vraiment leur métier, ils ont vraiment les astreintes et eux, quoi qu'il arrive, ils sont toujours sur le terrain. Donc eux c'est vraiment leur métier alors que nous c'est davantage de la vocation et de l'aide et en même temps un élan patriotique qui nous permet de servir sous l'uniforme de la République. Vous faites la même chose que les gendarmes normaux ? Pas exactement, non, on a des prérogatives plus limitées puisqu'on est toujours sous le contrôle des actifs et aussi sous le contrôle de l'OPJ et du commandant de brigade. Donc à partir du moment là, on peut pas faire non plus ce qu'on veut et de toute façon, comme à partir du moment où on porte un uniforme, faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Comment vous fonctionnez par rapport aux brigades ? C'est sur Internet, vous avez soit un tableau qui rend compte de toutes les disponibilités auxquelles vous pouvez participer, donc en fonction des besoins des brigades, soit si vous connaissez votre emploi du temps, par exemple par rapport aux vacances scolaires ou par rapport à vos congés, vous pouvez mettre vos disponibilités et dès qu'il y a concordance entre les deux, ça permet de travailler, de rencontrer le travail en brigade. Alors ça peut être la nuit, ça peut être le jour ? Ça peut être les deux, on est mobilisable de minuit à minuit. Ça fait longtemps, j'étais gendarme adjoint depuis 1999. Donc je suis resté dedans pendant 5 ans et après je suis parti en vie civile. Et après je suis passé directement en réserviste. Je suis conseiller de vente au Leroy Merlin, ici à Mézières. La vente, c'est différent et la gendarmerie, c'est différent. Là, je vous vois, on est de week-end. Les astreintes, ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Ben, dès qu'ils ont besoin, je me place. Ou au moment qu'ils en ont vraiment besoin, ben, je me mets toujours d'astreinte pour venir les renforcer. Ben, c'est un soutien pour les gendarmes où il manque dans les brigades certains gendarmes qui sont détachés ou qui sont pas là pour les renforcer pour les missions qu'ils ont besoin. À mon quotidien, c'est ben, faire les patrouilles, faire les premiers à marcher, bah les accidents, bah tout ce que un gendarme fait, qu'on est là pour les renforcer. Vous avez des formations continues ? Oui, alors j'avais des formations. On a le tir une fois, on fait du tir, on fait des. Toujours on se remet à jour sur les lois qui sortent, le code de police route. Les attentats ont fait que ça a stimulé autour de vous d'autres personnes ont pu être éventuellement intéressées ? Bon, je connais quelques personnes qui m'ont posé des questions, comme ils savent que je suis réserviste, pour comment rentrer dans la réserve. Et donc je leur ai expliqué comment faire pour y accéder. On peut facilement allier la vie de famille et la vie de gendarme et de réserve dans la gendarmerie. Votre future femme comprend tout à fait ? Oui, elle sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, j'ai la possibilité de le faire quand je suis disponible. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été gendarme adjoint volontaire de 2004 à 2009 dans un peloton de surveillance et d'intervention pas très loin d'ici. J'ai décidé la suite d'intégrer la vie civile, mais tout en restant dans le métier de la sécurité. Et là, ces derniers temps, ça me donnait vraiment à cœur de retourner dans l'institution qu'est la gendarmerie pour pouvoir aider les collègues d'Active tous les jours. Alors nous, on intervient sur une tranche horaire assez définie, où là, on fera donc notamment du renfort brigade, où on va aider les gendarmes d'Active donc à intervenir sur diverses interventions. On peut prendre l'exemple hier soir, donc par exemple sur une rix, donc une bagarre qui était déclarée, où là, les Actives nous ont appelés en renfort. Et on s'est lié à eux pour intervenir plus nombreux sur l'intervention. C'est assez varié. On partira, oui, sur l'accident de voiture, sur le secours à personne, sur un cambriolage, sur une tentative, sur une recherche de personnes, par exemple, quand les personnes sont portées disparues ou autres. C'est très varié, oui. Je ne ferai pas carrière dans la gendarmerie. Je resterai dans la vie civile et donc mes jours où je suis disponible et volontaire, je viendrai renforcer les brigades du coin. Alors moi, j'ai une formation en tant que gendarme adjoint, donc les années où j'étais dans la gendarmerie. On avait des formations assez poussé, assez régulière. Et là, maintenant, en tant que de réserviste, oui, on est formé tous les ans, bien sûr,
aux diverses formations, aussi bien administratives que techniques, d'intervention professionnelle, du tir. Enfin, c'est assez varié. Oui. Autour de vous, les attentats ont peut-être stimulé quelques vocations. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui se sont renseignés sur ce que vous faisiez ? Non, pas particulièrement au niveau des attentats. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Donc, bon, ça fait peut-être un petit peu renforcer le sentiment qu'on veut d'aider la population, les gens qui se trouvent autour de nous et nos amis, nos proches et toute la population. Mais non, j'ai pas forcément de connaissances qui sont intéressées à renseigner sur la réserve à l'issue des attentats. Vous êtes quatre aujourd'hui à Mézières, mais vous travaillez dans différentes brigades, puisque vous n'êtes pas rattaché à une brigade en particulier, vous êtes uniquement en renfort. Tout à fait, c'est ça en fait. On a un Donc les brigades émettent leurs souhaits et leurs désirs au niveau des renforts de réserve, et nous après on a la possibilité de se mettre volontaire sur telle ou telle brigade, suivant nos jours, nos disponibilités, et puis ce qui nous arrange, quoi. Et ça vous arrive régulièrement de travailler avec les mêmes collègues, ou c'est vraiment d'une fois sur l'autre, jamais les mêmes ? Non, donc on est beaucoup en réserve. Il nous arrive de retourner, enfin de travailler avec les mêmes collègues assez souvent, on va dire, mais bon, ça reste très varié quand même également. La 17e session de préparation militaire gendarmerie destinée aux futurs réservistes s'est achevée le 29 juillet. Après 3 semaines de formation militaire à laquelle 83 stagiaires ont participé, sous les ordres du lieutenant-colonel Muller, directeur de session. On a toujours, comme dans les forces de gendarmerie, une majorité d'hommes, mais la part de femmes est de plus en plus importante. Hein. Donc là, je crois que sur la PMJ, on est à près d'un tiers des effectifs sont des femmes. Qu'est-ce qui les a motivés ? C'est les attentats, les derniers attentats en France ? Il y a une motivation particulière qui fait qu'ils rentrent dans ces forces de réserve ? En fait, ça va dépendre des personnes. Vous avez des stagiaires qui sont là parce que plus tard, ils veulent faire gendarme et ils veulent déjà avoir une première idée du métier. Vous avez ceux qui ont été motivés par les différents attentats, par l'envie de participer à l'effort de sécurité au niveau national. Et vous en avez par exemple, qui ne pouvaient pas devenir sous-officier de gendarmerie, et c'est un métier qui les intéresse et qui font ça en dehors de leur temps de travail habituel. Ordre serré, intervention professionnelle, connaissance des unités d'emploi, instruction de tir, autant de disciplines inculquées aux jeunes recrues. Durant leurs 3 semaines de vie en collectivité, les stagiaires ont pu travailler dans un esprit de cohésion vers un objectif commun. Les stagiaires au profil très diversifié, issus de 4 départements lorrains, jugent même leur formation intense, concrète et complète. Le capitaine de réserve Glaise Patrice. Dans un cadre idyllique, si je puis dire, puisque la base de Roux se prêtait tout à fait à cette formation. Il y avait l'espace, il y avait les lieux, il y avait les locaux. Les stagiaires étaient coupés un petit peu de leur famille, de leur quotidien. Donc ils étaient tout à fait attentionnés pour la formation qu'on leur a dispensée durant ces 3 semaines. Les derniers événements dont nous avons subi en France, les attentats, ont sensibilisé davantage les jeunes qui se sont sentis un petit peu concernés et qui ont voulu donner de leur temps, peut-être même plus davantage pour certains, à des droits, à la civilité, à servir leur pays sous une forme ou sous une autre. Et ils ont trouvé cette forme, la gendarmerie, pour pouvoir se rendre utile. Voilà. Alors qu'est-ce que vous leur avez appris tout au long de ces 3 semaines ? Alors il y a eu différents types de formations. La formation que je dispensais était plus particulièrement tournée sur les télécoms, l'informatique, la radio, la téléphonie. Il y a eu des informations également sur le tir, sur le maniement des armes, sur l'ordre serré, sur la police judiciaire, la police administrative et d'autres encore types de formations techniques, on va dire. Pensionnaires dans des conditions assez rustiques, mais c'est ce qui faisait un peu aussi leur force, leur cohésion, la solidarité entre eux. Alors, ils sont fin prêts, là, aujourd'hui, pour rejoindre des renforts en brigade ? Alors, fin prêt, c'est un bien grand mot. Je ne pense pas, on peut pas dire quand même fin prêt, parce que c'est pas en 3 semaines qu'on peut former des gendarmes. Mais ils ont toute l'attitude pour aider les gendarmes dans leur service au quotidien, et les gendarmes les plus anciens vont les encadrer, vont parfaire leur formation, que ce soit au niveau télécom, que ce soit au niveau tir, que ce soit au niveau intervention, que ce soit au niveau police judiciaire, police administrative, ils vont être encadrés par les gendarmes et il n'y aura pas de gros soucis parce qu'il y a des anciens qui connaissent, ils ont l'habitude de recevoir des jeunes comme ça au sein de leurs unités pour parfaire leur formation, bien entendu. Dans le futur, ils referont d'autres formations complémentaires ?
Alors le futur, c'est entre leurs mains, si je puis dire, parce que certains vont adhérer à la gendarmerie, donc ils viendront occasionnellement se former, ou de temps en temps, et d'autres ont certainement l'idée peut-être de devenir gendarme plus tard, et c'était un bon moyen de connaître la gendarmerie. La cérémonie de clôture de la préparation militaire gendarmerie a eu lieu à la nécropole nationale de Douaumont, présidée par le général de division Thibaut Morterolles, commandant de la région gendarmerie Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est. Stagiaire de la 17e session de la préparation militaire gendarmerie de la région de gendarmerie Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. Ce jour marque le terme de votre formation initiale. Appelé à rejoindre ce stage le 11 juillet dernier, vous avez été jeunement admis à suivre cette formation. Vous êtes 77 hommes et femmes à recevoir le brevet d'avalanche militaire, atteste votre réussite. Vous avez désormais acquis les savoir-faire nécessaires pour renforcer les unités opérationnelles de la gendarmerie régionale, au profit desquelles vous serez appelé à intervenir dans quelques jours. Vous mettrez à profit les enseignements professionnels qui ont été dispensés pour exécuter en sécurité les missions qui vous seront commandées. Mais vous n'avez pas souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle uniquement pour mettre en œuvre des savoir-faire. Ce qui s'exprime d'abord, c'est, je crois, la voix du don de soi, la volonté d'être acteur de la sécurité de vos concitoyens, l'attachement à des valeurs, l'ambition de contribuer à la paix et à l'harmonie dans notre société. De 8 siècles d'histoire, nous sommes soldats de la loi. Protéger notre seule gloire, c'est aussi notre acte de foi. Les conflits que le pays traverse ont permis à nos grands anciens de signer des lettres de noblesse dont nous devenons les gardiens. Élève, gendarme, comme l'acier forge-toi l'âme, les devanciers gardent la flamme. Comme autant des grandes chevauchées, nous sillonnons tous les chemins. Terre de France, par d'autres légués, nous devons te garder demain. Quand parfois, jeté dans la déroute, le peuple cache ses lambeaux, le gendarme doit frayer sa route entre la loi et le drapeau. Élève, gendarme, comme l'acier forge-toi l'âme, les devanciers gardent la flamme. La cérémonie de remise d'insigne à la nécropole nationale de Douaumont a été faite en présence des familles et des autorités administratives, judiciaires et militaires. Pour conclure, la réserve de gendarmerie, c'est d'ores et déjà 1000 réservistes, dont près de 70% de civils, qui œuvrent aux côtés des gendarmes d'active. En 2015, 67 réservistes ont travaillé dans la gendarmerie chaque jour en Lorraine.